de ton esprit, le spirituel, de ton esprit, disparaît-il, de ton esprit, le spirituel, de ton esprit, disparaît-il. Perds pas le contrôle, même si la chair est faible, la surconsommation, c'est pas pour ça que la chair est faite. La chair n'est que de la chair, lorsque la chair est fraîche, t'es attiré, mais lorsqu'elle vieillit, la chair est frais. La chair enferme dans une illusion qui coûte cher en fait, ça vaut pas la peine, même quand la chair est ferme. Respecte-la comme si c'était la chair de ta chair, respecte-toi ou je donne pas cher de ta chair, mon cher. Certains préfèrent quand la chair est cachée, moi j'achète pas la chair, on dit des chèvres à la chaîne. La chair de ces chèvres, on se l'arrache au supermarché, moi juste une bouche et me donne déjà envie de recracher. La chair du porc peut te faire du tort, même si tu vas faire du sport, elle te donne un air difforme. Y'a des carnivores et des omnivores, mais entre l'esprit et la chair qui est le plus fort. L'esprit contrôle la chair, on est des hommes libres. La chair contrôle l'esprit, on est des zombies. De ton esprit, le spirituel, de ton esprit, disparaît-il. L'esprit contrôle la chair, on est des hommes libres. La chair contrôle l'esprit, on est des zombies. De ton esprit, le spirituel, de ton esprit, disparaît-il. Un esprit saint attire le Saint-Esprit. Un esprit malfaisant dans sa malfaisance respire. Confond pas esprit critique et esprit cynique. L'invisible agit même sur les esprits logiques. De saintes écritures nourrissent l'esprit, des tentations le pourrissent. Alors attention à où glisse l'esprit. Quelles sont tes priorités? C'est selon l'esprit. En tout cas, ça se voit à la façon que l'on s'exprime. Dieu nous montre que quand les grands esprits se rencontrent, ils changent le monde. Tes thèmes à leur esprit te remontent. Être stress qui aide l'esprit, faut lâcher prise. Même si tu vois des crises, oublie tes faiblesses, prie. Avant d'être charnel, tes tests. N'adhère pas à n'importe quelle cérémonie rituelle. Si le doute, c'est ton état d'esprit habituel. Tu seras torturé jusqu'à ce que t'aies une foi plus ferme. L'esprit contrôle la chair, on est des hommes libres. La chair contrôle l'esprit, on est des zombies. De ton esprit, le spirituel, de ton esprit, disparaît-il. L'esprit contrôle la chair, on est des hommes libres. La chair contrôle l'esprit, on est des zombies. De ton esprit, le spirituel, néglige pas ton esprit, même si la chair s'écoule. T'en perds ton humanité, ça donne la chair de poule. Tu crois pas si tu vois pas quelle étroitesse d'esprit. Ça le rabaisse, sa sagesse vient dans la largesse. Laisse vivre, les fruits de l'esprit ont souvent un goût exquis. Les fruits de la chair ont parfois un goût amer. Les fruits de l'esprit sont amers quand ils restent gris. Les fruits de la chair sont exquis pour le père et la mère. L'amour un esprit à cultiver en soi-même. Mais négliger la chair, c'est tomber dans un autre extrême. Prends soin de ton corps, de l'air que tu respires, à ce que tu manges. C'est ton carburant dont tout s'explique. Tout est lié, tout est question d'équilibre entre l'esprit et la chair pour qu'ils puissent te rendre service. Tu crois être free, mais si tu restes dans la haine, c'est dans la prison de l'esprit et les chaînes de la chair. L'esprit contrôle la chair, on est des hommes libres. La chair contrôle l'esprit, on est des zombies. De ton esprit, le spirituel, de ton esprit, disparaît-il. L'esprit contrôle la chair, on est des hommes libres. La chair contrôle l'esprit, on est des zombies. De ton esprit, le spirituel, de ton esprit, disparaît-il. L'esprit contrôle la chair, on est des hommes libres. La chair contrôle l'esprit, on est des zombies. De ton esprit, le spirituel. À force d'expérience, on se rend compte que souvent notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Donc on apprend à user avec soi-même. On apprend à se connaître soi-même. C'est l'esprit qui doit contrôler la chair, c'est pas la chair qui doit contrôler l'esprit. Donc on retient certaines leçons quand on n'est pas né de la dernière pluie.